c'est pas frérot, t'es sûr que c'est là, putain. Il est le campus, normalement, c'est là. Mais c'est où? Non, non, c'est pas un souka là-bas, non. Attends. Peut-être sur le toit, non? Ah, sur le toit. Ouais, je crois que c'est là. Ouais, il me dit ça. Ah, bah c'est là, c'est sûr. Ah, c'est sûr que là, il a mis le petit pas, le mec, c'est sûr. Vas-y, toc, toc, toc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Yale Campus. On vient découvrir le centre, on a parlé du centre Yale Campus. Bah, c'est ici, étudiant. Ah, c'est au bon endroit. Ah, bah, c'est super, on peut rentrer. On peut rentrer. On peut venir. Vas-y, après. Merci, frère. En fait, nous en. Alors, assez bien. Bonjour à tous, nous sommes ici au centre Yale Campus. Vous savez pas ce que c'est Yale Campus? Nous allons vous le présenter maintenant. Allez, suivez-moi, je vous montre un petit peu le centre. Voilà, ici l'espace principal. Pour les étudiants, pour réviser, où il y a des événements, des shabbats plein, toutes sortes de choses. Ici, voilà, il y a un petit coin sympathique du cuir véritable, j'ai vérifié, c'est 100%. Voilà, donc ici le centre, il est le campus pour vous, les étudiants, pour venir réviser, vous détendre, travailler, pour kiffer aussi. Donc voilà, c'est il est le campus. Donc il est le campus, c'est aussi un dortoir pour les jeunes de 18 à 30 ans. Des jeunes de la communauté qui ne savent pas où aller. Il y a le campus, est parfait pour les accueillir, donc même à plein temps. Donc il y a un centre qui est situé à Paris, il y a aussi un centre qui est situé à Marseille. Et pour finir, nous avons donc l'espace où ils mangent, la cuisine où ils font leur repas pour les étudiants. Et nous avons l'espace de repos avec les canapés où ils peuvent se reposer. Et ils ont donc un site internet, illelcampus.com et un compte Instagram, illelcampus France.